m'a dit qu'elle arrivait, mais elle n'est pas là. J'arrive. Coucou. Coucou. On est flou. Touk touk parti. Touk touk parti. Touk touk parti. On a le meuf en plus. Je vais le mettre juste pour te. Juste pour m'emmerder, ouais. Eh ben, je me changerai, voilà. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Vous avez vu comment elle est, Noémie? Elle veut toujours tout pour elle en premier. Arrête. C'est pas vrai. Le gros salaud, tu vois. C'est clair. Bon, mais du coup, je trouve qu'il va vachement bien avec ton short, en fait. J'aime bien. Ouais. C'est blanchâtre aujourd'hui. Bah ouais, mais c'est un peu comme la chambre. Un peu blanchâtre. Une mini allumette. Une allumette cassée. Une tête d'allumette. Quoi faire? J'ai jamais d'allumette sur moi. Bah non. Qui a mis ça dans ça ma poche? Au moins 10 ans que t'as pas toi, la vache, t'es vu, tu as mis une allumette dans ma poche. Oui, oui, je te vois, tiens, regarde. Oh! Il vous attaque. Bon, du coup, alors ce que je vais faire, c'est que on va laisser Tanguy tranquille, parce que je l'ai un peu. Ouais, j'étais en train de faire des trucs là-bas. Tu vas qu'à tes occupations. Et je cherchais, je cherchais. Toujours au vlog. Oui, et puis je suis arrivée comme ça, tout parti. Très bien, très bien. C'est pas faux. Et je vais vous montrer l'organisation de la chambre pendant que... Bon, je vais vous montrer l'organisation de la chambre. Ben voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit hier. Allez, donc organisons parti. La chambre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Coucou les gars. Je voulais vous dire que donc j'avais bien débarrassé ici. J'ai gardé quelques parfums ici qui rentraient sur l'étagère. En allemand, j'aurais voulu tous les mettre, mais ça aurait pas fait joli. Donc j'en ai laissé quelques-uns ici. J'ai mis mes pinceaux ici et je trouve que ça fait plus propre, du coup on les voit moins quand je tourne et ça fait moins chargé. Tout ce que j'avais là, je l'ai mis ici également, c'est là où il y avait les pinceaux. Ça, vous savez, j'adore cet effet un peu manoir comme ça, maison hantée. Vous devez vraiment me trouver chelou. J'adore ça, le lisseur il est là, mais en fait, je le laisse refroidir en fait. Il est normalement ici. Donc là j'ai organisé ça comme ça, là je vais ajouter toutes les pochettes que j'utilise quand je pars en voyage. Là j'ai mis quelques brosses, des trucs que j'adore pour mes cheveux. Voilà, il y a encore plein de cartons qui sont dans la chambre, mais pour l'instant, enfin l'organisation sera comme ça, en tout cas c'est pas fini, mais c'est l'organisation dont je vous parle surtout. Ici ça a pas trop changé à part que j'ai dégagé pas mal de trucs. Quoi d'autre ici, je vous l'ai montré hier, donc pas de changement. Simplement ici, comme je vous le disais, c'est des pyjamas. Donc j'ai essayé de classer un peu par catégorie, là c'est des t-shirts, là c'est des chemises de nuit, vous savez, des gros t-shirts, moi j'adore ça pour dormir, je trouve ça vachement cool. Ici c'est des pyjamas d'hiver, ici c'est des pyjamas shorts, des petits peignoirs satinés, et ici c'est des grenouillères. Attends Guy d'ailleurs, les miennes sont pas encore là, il faut que je les range. Là c'est les colis que j'aimerais vous montrer, les vernis je vous les ai montrés déjà. Dans les tables de nuit, bon les tables de nuit c'est quand même vachement personnel je trouve, mais il n'y a rien pour l'instant, tout est encore dans des cartons. Ici rien n'a changé, j'avais juste eu ça à un event avec Dop. Putain avec le vent ça s'est tout envolé. Ou alors c'est la momie qui a foutu le bordel dedans, mais j'en doute. Mais enfin la momie, le squelette, mais du coup il va falloir que je range tout ça. Ici c'est une boîte Ikea où il n'y a rien, ah si je crois que j'ai mis du coton. Ouais du coton parce que j'ai plus de place dans la salle de bain. Et donc dans l'armoire, c'est là que c'est le... C'est une blague ? Ah oui ! Je sais pourquoi, je me suis trompée, c'est celle-là qui va aller ouvrir d'abord. Enfin bon bref, c'est pas très... Non, il y a rien qui est cassé, donc c'est pas très grave, je le ferai après. Du coup, en haut, j'ai mis quelques boîtes vraiment collector. Vous savez que je reçois de marques, d'agences de com et tout, où j'arrive pas du tout à m'en débarrasser. Je les trouve trop jolies, ces boîtes. Donc, c'est parti pour l'organisation. En haut, c'est là où c'est le moins organisé. Donc, j'ai des cadres auxquels je tiens beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être les mettre sur les tables de nuit pour les voir vraiment quand je vais me coucher et tout. Peut-être en mettre une sur chaque table de nuit, mais c'est vous qui me les avez offerts en fait. Et c'est magnifique, vraiment c'est magnifique, je les aime de tout mon cœur ces cadres là. Donc là c'est pas très bien organisé, c'est des produits de bain, deux produits neufs pour le corps. Ça je me souviens si c'est pas celui pour le visage, je suis là. Mais je trouve les boîtes vachement jolies. Bref, ici j'ai de la place pour ranger des produits pour le corps que j'ai dans des cartons dans le dressing. Comme je vous le disais, c'est pas terminé, mais on s'en fout, c'est vraiment question d'organisation pour le coup. Là, c'est tous les produits ongles. Ça, je l'avais eu de la part de Cultura en fait. Il m'avait offert des cadeaux, dont ça quand j'avais fait une dédicace. Donc là, j'ai tous mes dissolvants. En dessous, j'ai toutes mes crèmes pour les mains, les produits que j'utilise le plus. En dessous, des décos pour les ongles. Ici aussi, des décos pour les ongles. Ça, il n'y a rien dedans, mais c'est plus mon style. Néanmoins, je les trouve jolis. Et je mettrai des trucs dans le placard. Avant, ça servait de déco dans la chambre. Ici, des trucs pour les ongles, des trucs pour les ongles.
les ongles ici aussi. Donc ça, comme je vous le disais, j'y tiens énormément et je vais sûrement tout mettre sur les tables de nuit. Là, c'est plein de baume à lèvres colorés. Vous savez que, enfin, j'ai pas de place pour les mettre ailleurs, donc je les mets là. De crème pour les mains encore, des produits pour le corps auquel je tiens. Vous savez, des trucs de parfum et tout, des trucs Lolita Lampica, des trucs peut-être un peu plus précieux, j'ai envie de dire. Et en dessous, on a toutes les brumes et tous les parfums que j'ai retirés de l'étagère là-bas. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous montrer l'organisation de l'étagère, donc je vais le faire juste après. Mais pour pouvoir dégager l'étagère et que ça fasse moins fouillis. Donc j'ai toutes les brumes Victoria's Secret ici, Bath & Body Works, Victoria's Secret, Terra Continent. Ici, c'est les Hollister, les Baija que j'aime énormément également. Tous mes parfums, Lolita Lampica que je vénère. Déjà, je les trouve très jolis. Moi, j'adore cette marque. D'ailleurs, je vais vous en reparler prochainement, je suis trop contente. Mais j'ai une collaboration avec la marque et je suis tellement heureuse. Bref, je vous en reparlerai. Mais je suis toute essoufflée, faut que je respire. Mais en gros, voilà, ils sont ici et je vais peut-être acheter un plateau pour mettre sur la commode pour pouvoir tous les mettre. Parce que les parfums Lolita Lampica, non seulement je les aime beaucoup, et ce fut celui-ci, un de mes premiers parfums d'adolescente. Et du coup, voilà, j'y tiens beaucoup, mais je vais peut-être les mettre sur un plateau parce que je les trouve vachement jolis. Donc il y a aussi des éditions limitées, beaucoup d'éditions limitées que j'aime trop. Celui-ci, c'est pas un Lolita Lampica, c'est un Inarichi que j'aime beaucoup aussi. Tous les Victoria's Secret, Courage, enfin bref, on s'en fout un peu, mais en gros, tous mes parfums sont ici aussi. Celui-ci, c'est un Stokomani qui sent très bon. Vous savez que moi, j'aime tester de tout, de tous les prix, de toutes les marques, que ce soit très prestigieux et beaucoup moins cher. Et ça doit coûter genre 4 euros chez Stokomani, ça sent trop bon. La noix de coco, donc ici, j'ai des huiles, les produits solaires, comme je vous le disais. Ici, j'ai mis tous les produits visage neufs. Et là, tous les produits cheveux neufs qui ne rentrent pas dans la douche. Puisque en fait, je vous l'avais montré la dernière fois, je vous avais montré le meuble une fois rempli. Mais j'ai tous mes shampoings neufs. J'avais acheté un meuble exprès, bref, avec les gels douche, etc. Mais il y en a qui rentrent pas, donc ils sont ici. Et voilà pour l'armoire. Il faut que je remette cette petite poignée qui s'est complètement escapée. C'est génial. J'espère que je ne l'ai pas cassée. Non. Tout va bien. Ok, bon. On fera ça plus tard. Donc ici dans cette étagère, j'ai laissé mes livres en haut, les livres que j'aime bien. Par contre la saga de livres que je suis en train de lire en ce moment, je pense que j'ai dû la mettre là. Ah oui voilà, et j'étais en train de lire le mois d'avril, j'ai déjà acheté le mois de mai, il faut que j'achète le mois de juin aujourd'hui. Mais le mois d'avril je l'ai paumé dans les cartons dans le dressing je pense, donc il faut absolument que je le retrouve parce que pour l'instant du coup je peux plus les lire. Et comme vous le voyez c'est vide. Du coup ici j'ai mis mon kit de rouge à lèvres. En collab avec Lollipops, j'ai des boîtes derrière, j'ai des pochettes avec des collections de rouge à lèvres ici, des boîtes, voilà ça aussi, c'est des coffrets vraiment, vous voyez rien du tout en fait, je crois que je ne vous ai rien montré, mais c'est voilà une boîte que je trouve très jolie, qui est vraiment collector pour une collectionneuse comme moi. Et du coup je l'aime beaucoup et à l'intérieur il y a les produits, comme ça si jamais j'en veux un je sais où ils sont. Bon là-dedans il y a du make-up de rangée, comme ça ça m'a vraiment débarrassé la coiffeuse, vous voyez ça fait beaucoup moins fouillis. Ça c'est 3 crèmes Glam Glow que j'aime trop, que je laisse dans les packagings parce que les packagings je les trouve trop beaux, au bout d'un moment je finis par les jeter. Ici c'est tous les rouges à lèvres que j'utilise un peu moins souvent que les autres. Les autres vous voyez sont là-dedans, bon, tous mes rouges à lèvres sont là-dedans. Et non, il y a une boîte ici que j'utilise autant que les autres, c'est celle-ci. Celle-ci que j'utilise souvent. Tous les rouges à lèvres, Rimmel et Revlon. Ça, c'est un truc trop joli de chez Nars avec une collection de rouges à lèvres à l'intérieur. Un planeur et ici, j'ai classé par produits neufs. Donc c'est là que mon make-up neuf va aller maintenant. Et au fur et à mesure que je reçois, je teste et j'enlève et je range dans mon coin maquillage que je vous ai jamais montré d'ailleurs, qui est juste ici. Mais c'est les meubles Alex, tout simplement, voilà, qu'on trouve chez Ikea. Mais honnêtement, j'aimerais changer ça. Je trouve ça vachement banal et j'aimerais une jolie coiffeuse. Une vraie coiffeuse vintage, vous voyez, ou alors un esprit vintage. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour des antiquaires, des brocantes, etc. pour trouver vraiment ce que je veux. Parce que dans les magasins, il n'y a pas du tout ce que je veux. Bref, du coup, voilà pour ici. Et donc là, ça vient de chez Maison du Monde. Ça, c'est des boîtes Kiko. Et ça vient de Leroy Merlin, je crois. Donc ici, j'ai mis des palettes que j'ai pas encore testé, qui sont neuves, tous les produits sourcils et yeux que j'ai pas encore testé, tous les produits teints que j'ai pas encore testé. Ça c'est pour une vidéo
que je vais tourner tout à l'heure. J'ai déjà tout mis à l'intérieur en fait. Et pareil, c'est des produits neufs. Je vais faire un crash test total face en fait. Et ici, c'est les produits pour les lèvres qui sont neufs et aussi deux pinceaux. Ensuite, ici, j'ai trois bougies, j'ai des livres, des carnets, des planeurs. Je suis une énorme fan de carnets et de planeurs, j'adore ça. J'écris beaucoup. Et ici, c'est un truc que j'avais reçu de chez Benefit dont je peux absolument pas me débarrasser. Je le garderai toute ma vie, je crois. Et j'en prends soin. Donc devant, c'est un savon de Thaïlande auquel je tiens beaucoup. C'est un très joli souvenir. Des bougies, toutes mes bougies ici, Minette, évidemment, que j'aime de tout mon cœur. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous l'avez connue. Elle a disparu en fait quand elle avait 17 ans. Bref. Franchement, je suis très émue quand je parle de Minette parce que je l'ai eue toute ma vie, pratiquement. Je l'ai eue très jeune et elle a disparu parce qu'elle était âgée, qu'elle est certainement décédée. Voilà, ici j'ai des bougies, vous savez, des tartelettes et tout ça. En bas, j'ai encore des livres, des carnets et tout ça. Et en gros, voilà, je vous ai tout montré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger parce que si je suis essoufflée, c'est parce que j'ai la dalle. Parce que j'ai du mal à tenir la caméra tellement je tremble de tous les côtés. Et voilà, j'ai la dalle au possible, donc c'est parti. On va manger, les gars. Bon, avant d'aller manger, je voulais préparer mes affaires pour tourner ma vidéo. Et je me suis dit qu'il fallait... C'est bizarre qu'il ait gondolé comme ça. Absolument que je vous parle de ça, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne principale. Mais en fait, c'est un bain dissolvant, faut que j'aille l'ouvrir. Et en fait, ça se présente comme ça, donc c'est la marque Formula X. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez. Et mais je vous en ai déjà parlé, hein. Celles qui me suivent sur la chaîne principale savent. Et en fait, vous mettez les 5 doigts en même temps, vous visez les trous. Je regarde dans la caméra, donc c'est pas super évident. Et... moi je bouge un peu les doigts à l'intérieur, vous devez trouver ça super chelou. Mais en gros voilà, vous avez les 5 doigts. C'est trop bizarre montrer comme ça. Et lorsque je vais les retirer, vous allez voir que ça sera complètement... vous laissez quelques secondes quoi, et il n'y aura plus de vernis sur les doigts. Moi je l'ai acheté en solde chez Sephora, enfin je l'avais reçu, ensuite je l'ai racheté en solde. Mais je pense qu'il a été peut-être repackagé ou je sais pas, enfin je vais voir si jamais en tout cas je le trouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Attention, 1, 2, 3... Et il en reste un petit peu ici, donc j'ai peut-être pas bien tourné, mais en gros voilà, je le remets un peu et ensuite il n'y aura plus rien. J'ai terminé de filmer. La menace, elle nous fait quoi là? Elle se repose. Je suis en train de choisir des photos pour mettre sur Instagram. Ah. Du coup on est dans le noir là parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Et j'ai terminé de filmer ma vidéo. Ça c'est ce qu'on a trié, qu'on va donner, qu'on va ramener à Monique. Monique, elle est là tu crois? Je crois pas. Ah mince. Monique, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 jours que t'es pas là. Monique! Dis donc, c'est quoi ces gens qui ont une vie? Qui ont une vie sociale! Bon, du coup, voilà, on verra pour ramener ça à Monique tout à l'heure ou pas en partant. Et moi j'ai tourné ma vidéo donc je suis contente, j'ai fait la miniature, enfin j'ai rien monté pour l'instant, hein, sachant que c'est pour demain et que j'ai un retard monstre dans mes vidéos. Normalement j'ai beaucoup plus d'avance que ça. J'en bave. Elle est pas là, Monique? Elle est pas là. Oh! Et je vais vous montrer un peu comment je m'organise, mais honnêtement je vous le montre tout le temps, mais je trouve ça tellement intéressant de voir comment s'organisent les gens que il faut que j'éteigne le truc là-bas, que je vais vous montrer. Je tiens quand même à préciser que tout à l'heure Tanguy m'a grondé là pour ça. Vous savez pourquoi? Ouais, c'est moi. C'est cassé du coup? Non. C'est vrai? Non mais... non mais j'ai eu du mal à la remettre. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, tu l'aurais vu au montage. La connerie. Mais du coup, ouais, tout à l'heure, Tanguy me dit « Non, mais par contre, ça, sur le coffre, c'est pas possible. Moi, je vais tout faire tomber dans la nuit parce que mes pieds dépassent. » Alors que le mec, c'est très bien que d'habitude, c'est sur ça et que je le mets constamment. En fait, je le fais à chaque fois. Mon cœur, tu le sais. C'est pas vrai? À chaque fois, je mets sur le lit, d'habitude. Alors que d'habitude, c'est là-dessus. T'étais très sérieux, quand même. Hein. Et du coup, voilà. En gros, bon, je fais tout tomber quand je filme. Et en gros, voilà où on en est, coucou. Et voilà, je vais ranger la caméra. Tout ça, en fait, ce que je fais, c'est que là, maintenant, je vais prendre le dessus de cette boîte à chapeau. Dites-moi si ça vous intéresse hein, quand je vous explique comment je m'organise. Moi, j'adore les organisations des gens. Ça, c'est pour une autre vidéo. J'organise tout au fur et à mesure. Et ce que je fais, en fait, c'est que tout ce que j'ai utilisé, je vais le mettre là-dedans. Je vais le reposer sur le coffre ou peu importe. Je suis vraiment... je vous explique tout de A à Z. Hein. Et ensuite, ce soir, quand je ferai ma barre d'infos ou demain matin, j'aurai plus qu'à prendre ça et à tout mettre en barre d'infos, en fait. Donc voilà, en gros, les gars, tu fais quoi? Tu répares les conneries? Ouais, j'ai mis un coup de marteau, j'espère que ça tiendra. C'est vrai, mais ça tient plus? Non, je mettrai un peu de... Je l'ai arraché? Ouais, mais je crois que le truc était mal collé.
Ah, d'accord. Mais attends, mais du coup, j'ai laissé un bout sur la porte en fait? Mince! Parce qu'en fait, à l'intérieur du poignet, il y avait un écrou collé. Ah! T'as tiré, t'as décollé l'écrou. Je sais que c'était mal fait parce que j'ai pas tant de force que ça. Hein. Oui, non, mais c'est que c'est. Ok, bon, bref. Du coup, je vais faire ça. On va faire une photo avant de partir et après, on se casse. Allez, salut! Tanguy découvre des trucs pour lui. Mais personne me dit que c'est pour moi. Mais si, je t'ai dit, j'avais reçu des trucs. Il y a marqué le marché de Noémie dessus là. Oui, mais parce que je voulais le récupérer. Repackagé. Oui, voilà. Oh, j'ai fait mon petit marché. C'est des trucs là que j'avais reçu pour la fête des pères. Du coup, c'est tout pour Tanguy. Tadam. C'est crème coiffante. Ça, c'est quoi? Shampoing solide. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, il faudra que tu testes. Ils sont pas mal leurs shampoings solides. Une crème multi-usage. Ouais, c'est un en peu comme du nettoyant multi-usage, mais en forme de crème. Et un exfoliant visage. Alors ça, je suis pas sûr. Ça, tu l'utiliseras jamais, ouais, c'est clair. Et le gel douche, tu vas l'utiliser? Bah oui. Parce et ça, pourquoi tu l'avais appris? En plus, un truc lush, mais... gel douche. Ah bon? Le truc tout rose là-bas. Après, je suis rose. Tu utilises le truc rose? C'est une blague. C'est super marrant. Ça, c'est pour ton shampoing, mon cœur. Sinon, tu vas le mettre dans quoi? T'es maligne, toi. Et donc, le bain, tu l'utiliseras pas, toi? Allez, voilà. Si, non. Si? Cet hiver. Je te vois beaucoup te mettre dans cette baignoire. Hein. Il fait chaud là pour prendre un bain. Même, on va jamais dans cette baignoire. Très rarement quand même. Hein. Chaque fois que j'ai voulu y aller, il y avait des colis dedans. Arrête! J'en peux plus. Bon, allez, je vais continuer mon petit rangement et on va bouger parce qu'on a des trucs à aller chercher. On est à un endroit où on était venu la dernière fois avec les parents de Tanguy et on avait beaucoup aimé. Mmh. Comment ça s'appelle? Je sais même pas. Pérol. Pâtisserie Pérol? Gilles Pérérol. Pérérol plutôt. On connaissait pas du tout. Bon, par contre, c'est plus cher qu'une boulangerie. C'est un peu plus cher. Hein. Ouais, mais on connaît pas grand chose à Avignon. D'ailleurs, si vous avez des endroits à nous recommander ou manger à Avignon. Bah là, c'est bien parce que c'est pratique. Tu viens ici faire les boutiques au milieu. Et la dernière fois, on avait mangé là, c'était pour ça aussi. Pour se reposer, se goûter un peu. On aime bien goûter, nous. On aime bien se goûter, nous. Du coup, on a repris ce qu'on avait pris la dernière fois. Je sais pas si t'avais pris ananas la dernière fois. Ouais, je crois. Ouais. Moi, j'ai repris multifruits. Ils sont délicieux, ces jus de fruits. C'est un truc de ouf. Ils sont bons. J'ai pris ça à manger. Apparemment, c'est de la chantilly dedans, donc Tanguy est un peu jaloux. Bah, si t'en as aussi. Bah oui. La chantilly. J'ai hésité entre ça et entre d'abord l'autre. Et après celui-là, j'ai mis celui-là, j'ai dit je peux faire ça. Ça m'étonne quand même. C'est meilleur ça. Le chocolat l'été, c'est pas très bon. Regrette un peu de pas avoir pris le tien. Toi, ça va être frais quand même, tu vois, avec les fraises. Oui, moi, ça va être frais. Mais moi, ça m'étonne parce que tu t'aimes pas le chocolat. Comme à part ça, le chocolat noir. Le chocolat, il y a de la chantilly et de la mousse pralinée à l'intérieur. Ah d'accord. Il y a un peu de chocolat à l'extérieur, c'est tout. Ok. Sois pas jaloux. Hein. Je suis pas jaloux. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Bon, moi, je tu veux goûter. Un peu faire moite-moite? Non, je vais juste un peu goûter. Et moi? Non, c'est le mien. Fallait prendre ça. T'es immonde. Bon, et je crois que ce vlog va durer 1000 ans aujourd'hui. J'ai bien l'impression. Ah, ouais. Donc on va s'arrêter là. Bon, on est allé chez Maison du Monde pour essayer des trucs qui vont sur le coffre. Vu que le coffre est là en fait. Ouais. Et donc Noémie, au début, elle voulait mettre des coussins comme ça. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'ils avaient mis eux à Maison du Monde. Mais le problème c'est que nous ça va dépasser du lit et ça risque de pas faire terrible. Okay. Alors là Noémie elle a mis un genre de poncho dessus. Non. Moi je trouve ça très particulier. T'aimes pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne suis pas sûr mais non j'aime. Enfin, après je sais pas, peut-être qu'à la maison avec tout mais le reste autour. Là il n'y a pas le lit derrière, il y a un mur. Maison du Monde, si vous voulez que je le laisse pour vendre le plein. dites-nous si vous trouvez ça plus vendeur que des coussins. Grave, c'est clair. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On laisse ça? Je sais pas si on essayait l'autre. Ouais. Noémie, on essaye l'autre. Ah, vous aviez vu qu'on en avait prévu. Vous êtes malin, vous avez l'œil. Hein. Ah, puis, oui, ou pour le prendre peut-être, on sait pas. Ah, ça ne te convient pas trop. Voilà. On va essayer le deuxième. L'autre, je suis, il était enfoui. Lequel était enfoui? Ah non, c'est moi qui l'ai fouillité. Eh ouais, il était tout bien plié celui-là à la base. C'est toi qui l'as fouillitisé. Pas du tout. Comme tu as pu le remarquer, je ne t'aide pas. Non, grave. C'est pas pratique. J'espère que vous allez râler sur lui, parce que vous avez râlé sur moi dans le vous dites que j'en fous pas une. Chacun son tour de faire des trucs. Non, il est trop long. Il est trop long. Regardez comme il pendouille. Bon, l'autre, il pendouillait pareil. Mais si, il pendouille autant. Non, vous trouvez pas, on dirait un peu les petits hôtels dans les églises. Il y a toujours un truc blanc comme ça dessus. Oui, mais pas celui-là. Hein. L'autre, moins. L'autre, ça fait plus mexicain. Ouais. Voilà. Si vous êtes mexicain, dites-nous si vous trouvez que ça fait mexicain aussi. Et si vous venez d'une église, dites-nous si vous trouvez que ça fait église aussi, on sait pas. Ouais, du coup, on va remettre les coussins. Je crois que la meilleure option, c'est les coussins. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Moi, je pense que je préfère les coussins. Ouais, moi aussi. En fait, notre problème... Après, les coussins, ça dépasse pas beaucoup. Et ouais, mais ça va dépasser un peu. Et ouais. Bon, alors, ce qu'on va faire notre choix, et on vous le dira pas. Ouais. Et on vous montrera... En rentrant, ce que ça nous dit. Parce que là, de toute façon, on n'a pas fait le choix. Vous avez fait un choix. Moi, j'aime bien le premier, moi le deuxième, moi le troisième. Bon, ben voilà, pas de choix. Bravo, sympa. On n'apprécie pas trop. Hein. On n'apprécie pas trop. Non.
Donc si vous avez un choix, dites-le nous. Un, deux ou trois. Depuis tout à l'heure, ils passent et nous regardent. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils viennent nous voir et on est assis. On est assis et on parle de notre vie. C'est ça. Ils viennent nous voir, ils nous disent, vous voulez des conseils? Oui. Vous avez besoin d'aide? Non, non, on regarde. On regarde, mais on parle de nos vies. Moi, j'aimerais beaucoup avoir vos préférences sur le... Parce qu'en fait, finalement... Ah non, on vous dit pas, on vous dira à la maison. Je vais faire. Non, en fait, là, on essaye voir si ça, si jamais on le prend et qu'on le met pas sur le coffre, est-ce que ça va sur le lit? Parce qu'à la base, c'est ça qu'on voulait, un plaid pour mettre sur le lit. Ouais. Et donc, on regarde. Moi, toujours, je préfère l'autre. Celui-là, sur le lit, il fait vieillot. Là, tu vois, il fait plus. J'aime bien ce qu'il fait vieillot. Ouais, mais il fait vieillot, mais pas dans le bon sens du vieillot. D'accord. Il fait vieillot, mais pas beau. Et lui, il fait plus un peu oriental, mais comme la chambre. Moi, j'aurais dit plutôt. Amérique du Sud que oriental. Bon bah finalement je pense qu'on est tous les deux d'accord. Peut-être même vous vous êtes d'accord. On va aller reposer celui-là et on va voir pour le coup ça en réfléchit. Bon les amis, maintenant on est à Truffaut parce que il faut qu'on trouve des cactus encore. On est toujours à la recherche de ces perpétuels cactus. Non, à la recherche perpétuelle. Oui, et de cactus aussi. Ah ouais, tu veux encore des cactus? Tu veux plus des petits cactus? Je pensais qu'on en avait suffisamment. Ah d'accord. Si tu estimes qu'il nous en faut plus. Non mais en fait moi je voulais des tout petits, tu sais, pour faire une armée. Ah, une armée de cactus. Une armée de cactus, au cas où quelqu'un voudrait nous cambrioler. Ça serait pas mal. Attention. Hop, il se piquerait comme ça, il sauterait sur les cactus. Exactement, exactement ma chère Menace. T'es maline. Allez, let's go. Bon, on a trouvé notre bonheur, on vous montrera plus tard tout ce qu'on va prendre, mais je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais que ça vaut vachement le coup niveau prix, c'est 4,95€. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'ai l'impression que ça vaut le coup là. Bah non, c'est vrai que d'habitude c'est beaucoup plus cher. Bah il me semble hein. Mmh. Et par contre une chose est sûre, c'est que je vais en prendre une ou deux pour la chambre de celle-ci. Parce qu'elles sont magnifiques. Et en fait moi je me concentre vraiment sur les plantes grasses et sur les cactus. Comme ça je sais qu'ils vont pas mourir même si on n'est pas beaucoup là. Oui c'est vrai. Plantes grasses non pas trop. Le problème c'est que du coup toi tu les arroses trop maintenant. Ouais c'est vrai. Je les arrose trop, c'est vrai, mais bon, en tout cas, pendant qu'on n'est pas là, elles mourront pas. Ah, ça c'est sûr, quand on est là. Bon, là on a quelque chose à vous dire, parce que là on est semi-colère. On est content, mais on est colère. Non, c'est pas vrai. C'est parce que. Sachez qu'on aura souvent des pièces, franchement, on n'est pas dans les trucs comme ça quand on vous parle. Quand on dit qu'on est colère, non, on n'est jamais colère. On s'en fout, on est toujours content. On n'en rajoute jamais des caisses pour autre chose, mais quand on dit qu'on est colère, on en rajoute 10 000 couches. Bon, c'était. On s'en fout. En fait, on vient de croiser une abonnée. Et elle nous vous voit. Ouais. Si et ça. Là... Oui, non, par contre, super sympa. Et tout, on s'est régalé vraiment. Super rencontre. Aussi, ouais. Super maman et tout. Mais on se rend compte que depuis le début de la semaine, à chaque fois qu'on croise des abonnés, on nous vous voit. Vous nous vous voyez. Alors que nous, même quand vous avez 45 ans, on vous tutoie. Et ça, ça nous plaît pas trop. Parce que bon, on sait qu'on est vieux, mais on a besoin de nous le rappeler tous les jours. Oui, non. Ça suffit. Ça suffit, il suffit. Le prochain qui nous vous voit, eh ben, on le fera quand même. On sera quand même gentil, mais bon. Intérieurement, on sera pas gentil. Ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Ouais, allez. Non, tout ça pour vous dire que vous pouvez nous tutoyer, putain, on a même pas 30 ans. C'est ça. Et si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir par contre. Oui. Voilà. Vous avez trop, c'est, vous savez que c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a beaucoup de très belles choses dans le métier, mais ce qu'il y a de plus beau, c'est la rencontre, le partage. C'est pour ça que je suis là, qui se passe. Parce qu'il y a des gens, j'avais pas envie de filmer les gens. Oui. Donc venez nous voir, ça nous fait trop plaisir. On se retrouve pour manger. Hein. On change pas une habitude qui gagne. On est à la pâte à crêpes. À côté de New Look. C'est quoi, c'est Mistral? Non, c'est pas Mistral 7, c'est Cap Sud. Bon, on sait pas, à côté de New Look. Comment? Bah ouais, on vous expliquera après. Et par contre, c'est super bien servi. Regardez un peu l'assiette de Nomi. Elle a pris une salade César sans sauce César, bien sûr, hein, comme à son habitude. Et moi, j'ai pris un magret avec. Frites, un genre de ratatouille et en plus de la salade. J'avais pas demandé la salade, ils m'ont quand même mis la salade et je suis super content. Et ça a l'air super bon. Bon, allez, on va manger avant que ce soit froid. Coucou! Mini perche! Ouais, ouais, bon, allez, on va passer en grande perche. Voilà, grande perche. On apprécie tous beaucoup. La grande perche. Comment vous allez, les gars, ce soir? Ça va bien. Ah, oh, nous aussi. Nous, bon, on va faire chacun un montage. Là, faut qu'on fasse le montage parce que. On est samedi soir. Ouais. Et là, vous regardez la vidéo de dimanche. On est. Ouais, moi je suis en... Enfin, nous on est. Maintenant, on a quasiment plus du tout de retard sur les vlogs. Ah, ben non, on le met le lendemain. On est au jour le jour. Ouais, c'est dur d'arriver à le mettre pour le lendemain matin. Ben oui. Sinon, le lendemain après-midi. C'est pareil, c'est pareil. Pour moi, il faut qu'il soit clôturé le soir. Ah, d'accord, ok. Ouais.
Qu'en penses-tu? Excuse-nous. Moi j'aime bien être carré. Vous voyez, il faut que ça soit fini le soir pour le lendemain, sinon sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on s'en sort plus, on va dans tous les sens, enfin voilà. Il fallait qu'on vous dise pour la serveuse, parce que quand on était au restaurant, on a dit on vous expliquera plus tard. Ah, et on connaît nos histoires, à chaque fois on dit ça et on le dit pas. Ouais. Donc là, on a pris des bonnes résolutions. On dit, quand on dit, on le dira plus tard, on vous raconte l'histoire. En fait, on est à la pâte à crêpes et la serveuse, elle arrive, elle nous dit, voilà, machin, on fait la commande. Et elle nous dit, est-ce que vous voudrez des desserts? Parce qu'il y a le menu, c'est plus avantageux, machin. On lui dit, bah là, d'habitude, on prend jamais de dessert au restaurant. Ouais, mais parce qu'on sait pas. Parce que souvent, on n'a jamais fait. On lui dit, est-ce que si on le prend après, c'est bon? Parce que si on vous le dit après, il n'y a pas de soucis. À chaque fois qu'on a demandé ça, les gens ils ont dit bah oui, vous décidez après. Ouais. Et là, elle nous dit bah, c'est quand même mieux si vous savez maintenant, parce que bon, pour le menu, alors bon, peut-être que je peux faire une exception et vous compter le menu après, mais bon. Mais elle a un ton que t'as pas. C'est mieux si vous le dites maintenant. Donc ben, on lui a dit on ne prendra pas de dessert. Ouais. Elle a bien insisté, le menu, machin, ouais. Là. C'est quand même mieux. Surtout que ça faisait gagner 1€, quoi, donc faut pas s'emballer non plus. Bah non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais bon. Enfin, et puis même, je vois pas quelle différence il y a si tu mais prends oui ton dessert. Si à la, fin de ton plat, tu dis je veux un dessert, tu appuies sur la touche menu, mais oui, tu fais ton addition et voilà. Et, enfin, dites-nous si vous êtes dans la restauration, s'il faut appuyer sur la touche menu avant ou après, c'est compliqué. Mm. Ou alors vous refaites un truc, je sais pas. En fait. Non, pour moi, il n'y a rien de compliqué. Elle nous parlait, puis d'un coup, elle faisait. Genre, elle disait oui, là, je suis en train de vous parler. elle parle plus fort. C'est l'argent. On veut pas de crème dessert. Du coup, on avait pris des desserts. Finalement, on avait suffisamment mangé parce que c'était super bien servi. Ah oui, c'était très bien servi. Et à la fin, elle arrive, elle nous dit alors, est-ce que vous connaissez le site TripAdvisor? Parce que c'est un site sur lequel on peut donner des avis. Oui, en fait, tout le monde connaît. Je sais pas, on est quand même pas si vieux que ça, je sais pas. Oui, à notre âge, mais il y a des gens qui connaissent pas. Je sais pas. À notre âge, non, je pense pas. Les gens de notre âge, tout le monde connaît TripAdvisor et regarde. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était la péripétie du soir. Elle nous a dit. Alors mon prénom c'est... Alors voilà, si vous voulez, c'est mon prénom. Si la vous laissez, elle a précisé, jamais je laisserai un mauvais avis. Moi non. Vraiment, je me suis fait agresser avec un couteau, jamais je laisserai un mauvais avis. Mais et encore, tu vois, si l'agression est faite en souriant, peut-être qu'on dira, il nous a agressé, mais il souriait, donc il était ça allait. Non, vous savez qu'on aime bien les gens gentils qui sourient. Mais elle était très spéciale, je sais pas, c'était pas du tout agréable. Pourtant les autres étaient très gentils et tout, qui venaient nous servir. Mais j'ai l'impression qu'ils leur mettent la pression. Je pense qu'elle avait la pression. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, enfin c'est mon ressenti en ce moment, dans beaucoup d'endroits où on va, ils nous disent est-ce que vous connaissez TripAdvisor, laissez-nous des bons commentaires et tout. Oui. Et il y a une pression avec ce TripAdvisor. Ouais, je l'ai senti. Et du coup les gens, on sent qu'ils sont, ils sont pas naturels quoi. Ouais. Enfin moi c'est mon ressenti. Non, mais peut-être que je dis pas totalement. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que c'est ça aussi. Et du coup quand elle explique aux gens, elle est stressée un peu. C'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui mettent des mauvais commentaires pour mettre des mauvais commentaires sur TripAdvisor ou sous nos vidéos par exemple. On dit ça parce que je pensais me pris plein la gueule toute la journée. T'en sais, je pensais me pris plein la gueule toute la journée aujourd'hui, tant que c'est l'homme le plus parfait, moi je suis la reine des couilles. Mais je comprends tout à fait vos méchants commentaires. Noémie ne soulève pas les meubles. Attends, non, mais c'est quoi cette femme? J'aurais dû laisser le mec. Mais oui. Attends. Non, mais parce qu'en fait. Tu vas aller à la salle, tu vas soulever un peu pour pouvoir soulever les meubles. Moi j'en ai marre de soulever les meubles. Du coup, vous pensez que je suis belle si et fit girl. Mais si, c'est vrai, je fais du sport. Bon, voilà. Tu t'es coupé la chute. Mais je sais pas, t'étais comme ça. Mais c'est qu'est-ce qui lui arrive? J'avais l'air à la maison tranquille. C'est ça. Je la meuf divaguée quoi. On va s'arrêter, ça fait 6 minutes. Non, mais bien. Parce que j'étais en train de penser à la serveuse à un moment. Je pense que du coup, elle a vu qu'on était peut-être un peu. Un peu particulier. Ouais, qu'on faisait un peu. On a dit merci et tout, hein, mais. Non, mais quand elle est partie, on aurait pu montrer qu'on était. On a souri, tout allait bien. Non, mais quand elle est partie, on aurait pu montrer qu'on était un peu offusqué. C'est pas du tout le mot, attention. Mais. Ok, c'est bon. Non mais continue. Non mais j'étais en train de repenser au moment où elle est venue avec sa tête venue nulle part. C'est ça. Bon appétit. Elle est arrivée, elle a fait comme ça. Bon appétit. Et hop, elle a disparu. Et nous on était sûrs. Et à ce moment là on s'est plus regardé pendant à peu près 2 minutes. Parce que si jamais nos regards se croisaient, vous avez déjà vu, oui. Je pense que tout le monde a déjà vécu cette oui. situation où le regard s'est croisé. Il et là c'est fini. C'est fini. Alors là, bon, on aurait pu rigoler, on était au restaurant. Non, on rigolait fout. Chacun notre gueule dans notre on se mit rigoler comme ça, en retenue. Donc, voilà. C'était énorme, bah, ça m'a fait trop. Non, attendez, on va s'arrêter là. Ça y est, on ne l'arrête plus. Voilà, nos regards se sont croisés dans l'écran. C'est mort. Donc, on espère vraiment que ce vlog vous aura plu. On vous retrouve bientôt pour un prochain vlog. Ah, moi, franchement, j'y retournerai les yeux fermés dans le resto, c'est jamais. Mais carrément, il nous a fait la soirée, le resto. La soirée n'est pas terminée. Non.
Bon. Il nous fait la soirée. Bon, on se calme, on vous retrouve demain à 10h30 pour... Demain à 10h30, non. Mais si. Lundi à 10h30. Lundi, il n'y a pas de 10h30. Si on met un vlog lundi, ça sera à 17h30. Non, parce qu'en fait, vous voyez ou pas? Pardon, ma chère menace. Là, il y a les achats pour la maison. Et du coup, bah, on vous montrera dans le prochain vlog. Du coup, on va vlogger demain dimanche. Donc, vous l'aurez lundi à 17h30. Voilà. On est d'accord avec et ça? Et après, il faudra qu'on soit bon pour vlogger mardi pour mercredi. I feel it good. Bon, Noémie, il va falloir arrêter de rigoler. Je me suis fait grand. Et Noémie se fait gronder tout le temps, c'est pas possible. Elle fait que pareil, elle veut pas s'arrêter. Alors j'ai été obligé de couper le vlog et lui dire: bon Noémie, maintenant il faut qu'on s'arrête, ça fait 25 minutes qu'on parle. Non, stop. Les gens vont en avoir marre de nous, vous en avez marre de nous? Oui, oui, on en a marre, Noémie, je fais que parler, t'es vraiment super relou. J'apprécie pas du tout. Tu crois qu'ils nous ont drogués dans les crêpes? Je pense, surtout dans le tien, ils ont eu des petites gélules. De drogue. Des gélules de drogue, ouais. C'est très courant. C'est très répandu. C'est très courant dans les restaurants où ils font des crêpes. Si bon, vous allez, savez, c'est bon, ça fait la mafia crépoise. La mafia crépoise. Ils mettent des gélules. La mafia. Bon, on vous retrouve bientôt. Oui, demain à 17h30, on vous fait... pour les achats de la maison, on vous. On vous fait. C'est à toi, Noémie. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous.